Bonjour à tous, à un an de l'édition Paysalia 2017, retour sur l'édition 2015 avec l'interview de trois exposants. Julien Lippi, directeur général chez Lippi, fabricant historique de clôture, parlera du design de sa gamme, adapté pour tous les jardins. Pour la troisième fois, Colstrop est présent sur Paysalia. Timothy Pillers, son directeur des ventes, nous reçoit sur son stand tout en bois. Enfin, sur un stand boisé et fleuri, Marion Ravel, co-gérante des poteries Ravel, nous propose des poteries d'exception pour les plantes et les arbres. Lippi est une entreprise familiale spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de clôtures, grillages et portails. Aéroports, zones portuaires, sites militaires, centres pénitentiaires, mais aussi des stades, avec 50 années d'expérience, Lippi est le deuxième industriel français sur le marché de la clôture. Tour d'horizon des produits sur Paysalia 2015. Et écoutez, Lippi est une entreprise industrielle qui a une cinquantaine d'années, qui fabrique tous ses produits en Charente, en France. Et on fabrique historiquement des clôtures. On a engagé il y a quelques années maintenant une démarche assez profonde de design, pour laquelle on a d'ailleurs été récompensé la semaine dernière à Nantes. Et on est très heureux d'être présent ici. Parce que l'intention qu'on a voulu donner avec ces produits-là, c'est de pouvoir aménager son espace, de sortir des sentiers battus et de répondre à des aspirations nouvelles. Donc on peut, avec l'offre qu'on présente ici, agrémenter son espace, son cadre de vie de manière extrêmement riche et variée, avec toute une gamme de produits et d'accessoires qui vont avec. On présente sur Paysalia l'occultation Z, qui est une nouveauté 2016, avec ses lames variées en forme et en couleur et sa ligne d'accessoires. Et on présente le baraudage Stem Wall et Stem Line, qui ont la particularité de pouvoir s'assembler en termes de couleur et de forme quasiment à l'infini. On est très très heureux d'être là, comme je disais tout à l'heure. C'est un très bon cru pour ce qui nous concerne. On est sur un salon qui est très qualitatif, avec, on le voit, des professionnels qui sont vraiment engagés dans une démarche d'aménagement d'espace, avec beaucoup de professionnalisme, et aussi on voit une attention particulière à l'esthétique et à la qualité des services et des produits vendus. Colstrop Garden fabrique du bois de jardin, des portails, des carports ou des pergolas. Les produits Colstrop Garden en pin rouge du Nord et bois exotique sont garantis 25 ans contre les attaques des insectes et la pourriture. Colstrop Garden, entreprise belge, propose aux professionnels du jardin une collection de produits en bois pour le jardin et la terrasse. L'offre qu'on propose, c'est une offre de bois de jardin. Surtout des bois qui sont traités autoclave, mais nouveau dans la gamme, c'est les bois thermochauffés et les bois traités autoclave marron. On propose tout ce qui sert à habiller le jardin, donc poteaux, palissades, on a des carports, des bancs, le mobilier, jardinière, même les terrasses. Pour nous, c'est la troisième édition de Paysalia où on participe. C'est une foire très importante pour nous dans la France. Cette année, on a même un stand de 90 mètres carrés, donc de plus en plus, on ressent qu'on a des contacts vraiment intéressants. Manufacture fondée en 1837, la poterie Ravel, entreprise du patrimoine vivant implantée sur Aubagne, est spécialisée dans la céramique et en particulier dans les pots de jardin de grande taille, jusqu'à 1 mètre de diamètre. Classique, historique ou contemporaine, Ravel, ce sont des collections d'exception pour tous les projets jardins. Poterie Ravel est une entreprise familiale basée en Provence. Nous sommes fabricants de pots en céramique depuis presque 200 ans. Et on fabrique sur place, en Provence, nos vases de jardin. Donc de tout petit jusqu'à très très grand, de très grand volume, qui permettent donc de planter tout type de végétaux, de la fleur jusqu'à l'arbre. Cette année, sur Paysalia, Ravel a présenté d'une manière un peu bucolique une collection de vases de jardin avec trois types de terre, trois couleurs. La terre cuite naturelle, la terre couleur café, mocha et une terre blanche que l'on peut décliner donc jusqu'à 1,15 m de hauteur. Poterie Ravel participe à Paysalia, c'est notre troisième édition Paysalia. Effectivement, on ne peut que constater un développement du salon.
Je trouve effectivement un salon plus étoffé, une très bonne fréquentation, une fluidité sur que nous on apprécie en tant qu'exposants parce que ça nous permet de passer du temps, un temps suffisant avec chaque personne. Voilà, c'est fluide, c'est un salon facile à organiser, très plaisant, où on a effectivement vraiment un public de professionnels qui est ravi, je pense, de trouver sur Paysalia à chaque fois des nouveautés, de trouver les fournisseurs réguliers, une constance dans ce salon et bien sûr un développement qui nous stimule tous. C'est pour rigoler.